quand même qu'on regarde les différents champs, angles de vue, là, toujours depuis la face, là, dans le même angle qui était cette pièce à vivre de Gracq. Et donc, pile en face, là, on les voit, ces peupliers de l'île batailleuse. Vous savez, il y a ce texte où il raconte comment, pour lui, ces colonnes de temples. Et puis, un jour, les peupliers ont été rasés. C'était une espèce de choc, mais ensuite, ça repousse. Il faut 30 ans pour que les peupliers grandissent. Mais lui, il a vu ce cycle se faire 3 fois. C'est encore un texte éblouissant. Enfin, éblouissant, je ne sais pas. Il n'y a pas de chiquet chez Gracq. Tu prends la matière, tu la tires, tu la tritures. Et puis tout d'un coup, tu te retrouves avec ce cycle triple de peupliers qui mettent 30 ans. Et puis maintenant, tu vois, ça devient juste broussailles avec du lierre, du gui. Et puis directement... cette espèce presque de mangrove au bord de Loire, et sur cette esplanade là, qui est celle des terrains de jeu. Mais regardez ce qu'ils ont été mettre. Mais regardez cette horreur! Regardez ça! Tu vois? Tu as ce sommet de littérature en prose. Tu as comment on rend honneur et on crée la littérature paysage. Et qu'est-ce qu'on fait? On installe là un bout de vague granit avec un bout de ferraille rouillé et un poisson en tôle. La France honore sa littérature. Thank you.